cette saison 3 de Arnouters, il fallait bien sûr une salle d'arcade et il fallait aussi vous montrer qu'en France, on n'a rien à envier au Japon, finalement, Benzaï. Non, c'est fou, effectivement. Ouais. Et en plus, on est dans un lieu secret, le Game Center. On ne sait pas où ça, on est arrivé les yeux bandés. Hein. Exactement. Et du coup, mais qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce que c'est, James Game Center? Game Center, c'est là où vous êtes dans la partie arcade, une vraie salle d'arcade. C'est pas que thématique. Ça. Non, c'est plusieurs salles en fait. C'est une douzaine... Plusieurs hangars. Voilà, une douzaine de salles. Juste à combien de bornes, James? Là, on, ça dépend combien on comptabilise, mais on va dire 2000. 2000 bornes d'arcade perdues. Ça t'inspire, tonton? C'est la folie. Cet homme ment, je crois. Bah, on va tout de suite vérifier. On va aller voir ça. Dans cette salle, il y a plein de bornes et il y a plein de jeux, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la base au James Game Center. Mais la particularité de James, c'est que tu mets pas n'importe quel jeu sur n'importe quelle borne. Voilà, mais un jeu d'arcade, c'était fait pour un système d'arcade bien précis et donc une génération de bornes ou un modèle de borne spécifique. Et en fait, l'idée pour moi, c'est un jeu par borne, c'est le principe de l'arcade à la base, et donc d'avoir le meilleur setup, la meilleure configuration du jeu. Et il y a des jeux qui ont été faits avec des bornes qui ont été prévues pour ce jeu. D'accord, donc par exemple, moi qui vais mettre n'importe quel jeu sur ma seule New Astro City, c'est pas ça que tu fais. Non, voilà. D'accord. On met les jeux Capcom sur les jeux, les bornes Capcom, les jeux Konami sur les bornes Konami. Ah oui, d'accord. Et ensuite, c'est quand même le next level. Hein. Et après, il y a la déco adaptée qui a été faite pour la borne de l'éditeur. Donc ça va de la déco, de la marque, l'écran, la compatibilité avec l'écran et surtout ce qui nous apporte les commandes. Et oui, alors on a un exemple flagrant d'un des jeux que j'aime le plus au monde, un des jeux de combat qui pour moi a changé beaucoup de choses. À l'époque c'était Soul Calibur en version Dreamcast, mais bien sûr la version Dreamcast était alors certes upgradée de la version d'arcade, mais ici il y a la version d'arcade et tu vas un petit peu me montrer, il tourne sur cette borne qui est assez... Pourquoi il y a des ports PlayStation, des ports Visual Memory Dreamcast? C'est... Je comprends pas. C'est quoi cette borne? Alors, c'est une CyberLead 2. Donc à côté, on a les CyberLead 1. Donc la CyberLead, c'est une borne de Namco, donc l'éditeur de Soul Calibur, évidemment. Et elle a la particularité d'être extrêmement massive, tout plastique. Et c'est une borne, par exemple, pour l'anecdote, on ne peut pas tourner. Elle est forcément horizontale. On voit qu'il n'y a pas de bezel, on peut changer. Et il y a le topper de la borne. Le topper, c'est ce qu'il y a au-dessus. Quand je tape, quand tape en haut, le perso. C'est fou! Regarde en haut! Et le topper, au lieu d'être simplement du papier ou quelque chose d'imprimé, mais ils ont fait un petit affichage dot matrix en pixel art et qui est compatible avec certains jeux de Namco, dont Soul Calibur. On a les petits arceaux en SD. Donc là, c'est vraiment la borne la plus adaptée pour jouer au jeu, quoi. Exactement. Le jeu est compatible avec cette borne jusque dans le topper. F-Zero! Oh my god! Regardez ce qu'on a ici au James Game Center, le F-Zero AX! Vous connaissez peut-être chez vous le F-Zero GX, la version GameCube. Eh bien, il faut savoir qu'il était sorti en synergie, un jeu Sega d'ailleurs, avec la fameuse technologie Triforce, qui était en fait une GameCube embarquée dans une borne d'arcade. Le jeu le plus beau de l'histoire, le meilleur jeu de voiture futuriste au monde. F-Zero AX qui se joue ici avec son contrôleur et son boost. Là, voilà, tac, il sert de foot karaté dans la panade. On peut changer les vues ici. Et surtout, il y avait un truc incroyable avec cette borne, c'est qu'il y avait un lecteur de carte mémoire GameCube pour aller récupérer ses temps et ses scores, ainsi que ses propres F-Zero qu'on pouvait fabriquer soi-même dans la version GameCube. Et aussi un lecteur de carte de carrière en genre carte bleue. Et la carte était fournie avec le jeu GameCube japonais. Je possède encore le mien sous blister. Mais il y a des trucs absolument incroyables. Carrément des bornes Star Wars Racer incroyables. J'ai joué au Futuroscope quand j'étais gosse. Et une borne incroyable. Sim avec un son Dolby Surround THX incroyable et zinzin. On se croirait vraiment à la course de la Bunta. Mais alors, une des raretés les plus incroyables que je ne pensais même jamais voir de mon vivant, c'est la borne, attention, elle est très très loud, c'est la borne Metal Gear Arcade. Et si vous trouvez que l'image est floue, c'est parce que le jeu était en 3D et qu'on y jouait avec des lunettes. Et il s'agit en fait d'un FPS en réseau
qui se jouait donc en réseau avec le micro directement intégré à la borne et un espèce de gun avec son joystick intégré afin de jouer en réseau contre tous les Metal Gear, contre tous les fans de Metal Gear dans tout le Japon. Et aujourd'hui les serveurs sont offline, donc en fait on peut juste s'entraîner à y jouer pour savoir si on sera invincible le jour où quelqu'un aura réussi à hacker le jeu. C'est incroyable. F-Zero GX, the future of racing is in your hands, only for Nintendo GameCube. Incroyable cette collection, là j'en ai des frissons, et en plus pour cette séquence exclusivement nous avons une légende quand même du jeu compétitif, Keikun Sama. Alors ici vous avez donc toute une collection de patchy slots très exotiques, vous avez le Berserk qui est une folie furieuse, en plus qui est un peu dans le thème du moment. Mais avec la grosse épée au milieu, elle bouge et tout. Hein. Alors ici, vous avez une grosse épée, quand vous faites péter les bonus, l'épée se met à bouger, elle traverse l'écran. Tu me dis, la Street Fighter. Petit détail, Benzaï, je te laisse mettre ta piécette. Et voilà, oh là là. On a trois pièces, c'est trois pièces, tu fais max bet, et tu fais la petite, et c'est parti. Voilà. Ah voilà, ah, et ça gagne déjà de l'argent en direct. En direct, mais déjà, direct. On a un autre item totalement introuvable que je n'ai jamais vu même exactement au Japon. Les Medal Games, c'est encore autre chose. C'est un petit peu les piécettes de forain, mais version énervée, parce que forcément, on est au Japon, et là, on a une version Makai, Mura, donc Ghouls and Ghosts, du Medal Game. Et du coup, vas-y, je te laisse un petit peu nous présenter un petit peu, parce que toi, tu as dosé cette borne. Alors ouais, la borne, on l'a dosé un peu justement parce que c'est quelque chose de très très exotique. Ici on a un modèle complètement différent justement à la japonaise où il y a un jeu dans le jeu en fait. C'est ça, il y a un petit écran avec des animations. Alors, on dirait qu'il est en HD. Voilà, en on a un truc de malade. On a un petit écran sur le dessus. Donc, vous voyez, il y a une grande rangée. Il est là dans le coin. Et les Japonais pour optimiser en fait leur temps pour bien mettre des pièces, tu vois, te font des petits paquets comme ça. Hop, et ensuite on vient la glisser. Et normalement, dès le premier crédit, Et là, c'est la cascade. Et donc voilà, donc tu vois, on peut déplacer le personnage avec les flèches du bas. Donc si on met des piécettes tout en bas, là mon personnage va se déplacer, etc. Donc le but en fait, c'est d'avancer avec Arthur dans le jeu. Et souvent, tu peux stocker les pièces. Par exemple, tu vas stocker des pièces, tu réalises ici. Et hop, ça descend. Donc tu vois, t'as les lances qui permettent d'attaquer, etc. Et forcément, c'est la pluie et c'est la maladie. Et tout de suite, tu peux y jouer à l'infini. Keikun, c'est déjà fini, malheureusement. Alors, on va réussir à remontrer une séquence, peut-être. Non. On est dans le corner SNK, le truc fou, la Neo Geo. La preuve, SNK, l'arcade, le MVS. La preuve, il y a même ici un full set MVS derrière. Voilà. Vous avez déjà parlé du MVS dans cette émission chez Game Spirit. Mais là, il y a tous les MVS. Ça, c'est le jardin d'enfance. Ça, c'est le début du game. C'est quoi les vrais trucs pétés, tonton? Les trucs incroyables, c'est d'avoir tout au même endroit. Déjà, là, par exemple, il y a les bornes US, SNK. J'avais jamais vu les bornes de l'époque américaine. Et elles sont là. Regarde, tu peux jouer avec leur sale stick rond, là. Stick poire dégueulasse. Rond, et avec les quatre boutons où tu joues debout et tu peux mettre ta carte mémoire. Ici, t'as les bornes Jap, t'as les Neo 29 Candy, là, ici, avec la config en ligne de Osaka représente. Ici, complètement zouf. Et aussi, t'as les bornes là, à côté, juste à côté, là, les petites bornes qui sont aussi complètement collector. Alors ça, c'est la SC18 pour l'écran 18 pouces. C'est ça. Là, c'est une des premières Jap en 25 pouces, du coup. Exactement. Et regarde, là, la config, elle est complètement fou. T'as le A, B, C et t'as le D en l'air, le petit doigt en l'air, ça veut rien dire. Tu vois ça, c'est des trucs que j'ai même pas vu au Japon et qui sont là en France juste à côté de chez nous, mais comment la folie. Mais c'est même pas que les bornes. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est donc ça au mur? Je sais pas c'est quoi, mais c'est joli. C'est un kit presse SNK Neo Geo qu'on pouvait trouver chez SNK of America. Tu sais, par exemple, sur les salons de jeux vidéo, genre le CES à l'époque, tu vois. Kit, c'est le kit presse d'époque. Et là, ce que tu vois, c'est des posters originaux SNK, donc Fatal Fury Special, Fatal Fury 2. Et c'est d'époque. C'est-à-dire c'est les posters qu'il y avait chez SNK of America. Regarde-moi, c'est quoi ça? Bah ça, regarde, ça c'est le flyers japonais de la Neo Geo. Et en fait,
ils avaient fait des versions plus ou moins francisées avec, tu sais, chez Guillemot qui distribuait la Neo Geo. Ça, c'est les flyers d'époque, ça vaut une fortune aujourd'hui. Tech Mega Shock Neo Geo. いくつもの伝説が生まれ、そして消えてゆく。Eh bien, c'est le défi des 10 francs. Chacun va mettre 10 francs dans la borne Ridge Racer d'origine, wow, ici derrière moi, à savoir qui va faire le meilleur temps. Alors, comme tu remarques, tout à gauche, tu as une pédale d'embrayage. C'est la seule borne d'arcade de bagnole sur laquelle il y a une pédale d'embrayage. Tu pouvais jouer en manuel, boîte 6 vitesses, avec une pédale d'embrayage. C'est pas craqué, Benzaï, ça? On rappelle meilleur temps autour. La pédale d'embrayage, la boîte de vitesse. Ah, il est bien parti, hein. Là, il a bien embrayé, tu vois. Ah ouais. C'est pas ouf? C'est totalement fou. C'est le mec en mode. C'est le film de l'embrayage, c'est l'embrayage. En fait, contrairement aux autres jeux de voiture, la boîte manuelle ne t'avantage pas. Ah. Tu vas pas plus vite en manuel. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de module. C'est pour ça que personne s'en servait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait, bon, on va arrêter de faire ça. Ça ne sert à rien. Les gens préfèrent jouer en automatique. En tout cas, sur avec l'embrayage. Bon, bah, Karaté n'a pas fait un tour. Mais une... Enfin, il n'a pas fait un tour, quoi. Bon. C'est tout des best, enfin, hein. C'est la folie. Va-t-il réussir à caler un vrai tour? Vous aurez noté que ASNK joue la gagne automatiquement, hein, bien sûr. Il est e-sport, hein. Et en plus, je perds tout le tour, ça qui est bon. Ensuite, dans celui-là, tu peux faire les dérapages à l'envers. Non, il semblerait que les dérapages à l'envers ne soient dans les virages exclus en fait PlayStation. Ou alors, du moins, c'est pas la même manip exactement, car nous avons notre expert Pimpinade avec nous qui filme et qui lui a essayé toute la journée de faire des dérapages à l'envers. Et il semblerait qu'ils ne sont pas disponibles, du moins avec la même tactique. Par contre, il est notre time attack du jour, donc d'avance, il a déjà gagné. C'est pour ça que maintenant, on se bute, on va savoir en fait qui est le meilleur second. Ah ouais, pour, il drift. Oh là là, ce mec est le Drift King. C'est le Drift King. Mais non, allez. Et voilà, 1.25, 967. Le frein est au milieu, c'est ça? Ouais. Mais Seb, le frein est au milieu. Bah oui. À gauche, oui, d'accord. Mais non, mais la gauche... Non, mais dans une voiture, l'embrayage est tout à gauche, le frein est au milieu. Mais c'est vrai qu'il a pas son permis. T'as essayé de le passer, je crois. Sur les traceurs. Hein? On n'est pas obligé d'en parler dans l'émission. Hein. Et ce qu'il faut savoir, Karaté, c'est que là, tu as le son dans le siège et que en 93, c'était la première borne à avoir ça. Et Sega n'a mis le son qu'à partir des Model 3. Genre Sega Rally Daytona, il n'y avait pas le son là derrière dans le siège. Ils étaient en avance sur leur temps. Tu la bouges dans ta poubelle. Ah! Voilà la feuille. Incroyable. Ah, ça va se jouer. 3, 21, 22, 23. Ah là 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 là. Ah là 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 là. 26 perdu. Et c'est une victoire de ASNK. Voilà, dès qu'il faut pas looter, dès qu'il faut jouer. Ce James Game Center, c'était assez dingue, mais James, qu'on a vu, ça... Ce n'est qu'une infime partie de ce que tu possèdes en bande d'arcade. Oui, là, vous avez eu quelques pourcentages, 6-10%. Ah. Et donc là, on va continuer. Donc, pour pouvoir en proposer plus et les installer, mais il faut... T'as embauché Karaté pour construire une nouvelle salle. Donc là, on est devant le futur James Sega Center, une salle entièrement consacrée à Sega, où on retrouvera les grands classiques... Et c'est sérieux, les Daytona. Entièrement en rouge, comme à Akihabara. Non, là, moi, je vais partir sur le bleu. Ah, le bleu. Est-ce que tu auras du R360, la borne qui fait des 3-6? Voilà, un R360, du Daytona 8, et les Virtua Racing, les Sega Rally, les Virtua Cop. Bon, on revient l'année prochaine, donc. Exactement, on va falloir revenir. Bon, on peut juste ne pas partir. On peut venir, on va bah, karaté peut-être mais déjà. Mais lui, il part pas, et t'as des murs à monter. Moi, je ramène une tente et c'est bon, je me pose là. Voilà. Benzaï, c'était le James Game Center, la salle d'arcade peut-être la plus
folle du monde et on est content de vous l'avoir fait découvrir. Au revoir, tonton. Bye, bonnes vacances. Ok, vas-y, continue. On reçoit. Hard Looters, le manga, le scénar, si on devait faire un pitch en quelques secondes, c'est relativement simple, hein, l'histoire. Est-ce que tu te souviens du James Game Center où on a tourné pendant la saison 3, Karaté? Oui, bien sûr, à l'endroit de toutes les maladies. Exactement. Et donc, l'album, il commence en fait où les looters sont en train de tourner au James Game Center. C'est très méta. C'est pendant la saison 3 que se déroule en fait le manga, mais c'est une sorte de d'univers parallèle spin-off pendant le tournage de la saison 3. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment précis, ils se font attaquer par... C'est pas très clair. Hein, ils se font enlever par des yakuza, mais qui sont des yakuza, mais habillés comme des vendeurs d'une boutique japonaise. Donc en fait, c'est un yakuza, mais avec un tablier de vendeur dans une boutique de rétro. C'est un peu comme les vendeurs chez Mac Japan ou chez Friends, tu vois. Tu vois, chez voilà, par exemple, exactement. En fait, ils se font enlever, mais c'est une erreur. En fait, ils sont venus pour enlever James, parce que James est évidemment un des plus grands collectionneurs du monde. Mais du le coup, plus grand, je pense même. Voilà. Et en fait, ils arrivent, mais ils tombent sur Karaté. Et ils demandent à Karaté si c'est James. Mais Karaté, pour mettre le guac, dit « Bah oui, c'est moi !» Mais ils ne savaient pas que c'était pas une bonne idée. Et du coup, les looters se font enlever à la place de James. Donc en fait, ça commence bien dans le sens où ils se font enlever par erreur. Je précise que c'est un shonen, c'est une comédie. Hein. C'est pas, tout ça n'est pas à prendre forcément au premier degré. Donc là, t'as déjà quand même... Et puis évidemment, ils se réveillent où ? Ils se réveillent où ? Sur le bateau. Sur le bateau. Voilà, ils se réveillent sur le bateau, dédicace à Kaiji, évidemment. Et en fait, ils sont pas seuls. Ils sont enfermés avec qui ? Avec 64... Enfin... Techniquement 62 autres rois du loot, autres collectionneurs. En fait, ça devait être James, mais du coup, c'est eux à la place de James, pas de bol. Et il y a tous les plus gros, le grand looter du monde. Le roi de la Neo Geo, il y a le roi de l'arcade, il y a le maître de la PC Engine, etc. Il y en a, ils sont dédiés à des machines, à des jeux, et il y a tous les plus grands en fait collectionneurs du monde. Et ils vont participer en fait à ce qui s'appelle le Looters Committee, où le principe, c'est un peu comme Squid Game, donc il y a même au début des épreuves par équipe, etc. Donc c'est des épreuves autour du loot, du rétro gaming, mais avec des vrais objets, comme par exemple aller trouver un loot à moins de 1000 yens sur une brocante, par exemple. Mmh, et il y a un jury. Il y a un jury qui les juge, parce que c'est comme dans Le Petit Chef, il y a Kitate Japan, comme dans Food Wars, où t'as ce qu'on appelle, c'est un manga de réaction, donc t'as chacun qui arrive, qui présente ce qu'il a trouvé, et ça réagit en face, sauf que là, c'est exponentiel, exagéré, comme dans un manga. Parce que c'est un manga. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et le but, Karaté, c'est qu'il n'en reste qu'un à la fin. Parce qu'il faut savoir que le gagnant du Looters Committee remporte les loots et les collections de tous les autres. Ah, c'est ça le truc. Bah oui. Voilà. Mais comment c'est si les juges sont impartiaux? Mais ils ne le sont pas, parce qu'évidemment, les méchants dans l'histoire, ils vont tout faire pour tricher et pour remporter le Looters Committee. C'est ça le truc. Mais donc... C'est un shonen, mais il y a les héros et il y a les méchants. Comment on fait cette trompette si c'est biaisé dès le début? Bah, c'est biaisé, mais nous souviens-toi que ton personnage a un pouvoir qui défie les lois de la logique et du biaisage. Quel est-il ? Macron ? Non, le pouvoir de Monsieur Karaté, qui va permettre dans le manga de faire des choses de fou que tu vois dans aucun autre manga. Le Gouek, peut-être ? Ah, voilà. Et ça, il n'avait pas anticipé. Ah bah oui, c'est ça. Et donc là, à partir de là, suspense.